Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Voyage au Centre de la Seine. Alors bon, là je fais une petite pause avec les chroniques parce que j'en ai encore deux ou trois à vous proposer et je voulais justement faire ces vidéos depuis longtemps. J'avoue que j'hésitais un petit peu à la faire parce qu'en fait je voulais vous parler de mon parcours de métalleux, en fait savoir comment je suis tombé dans cette marmite bouillonnante qu'est le heavy metal, puis le thrash metal, puis le death metal, puis le black metal, enfin puis le tout ce que vous voulez metal. Voilà, si on va remonter aujourd'hui très 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 longtemps en arrière, hein, à une époque, voilà, au début, tout début des années 80, et on va un petit peu égrener comme ça l'année 80, je vais vous montrer en fait voilà, les albums qui m'ont vraiment marqué en tant que métalleux, ce qui m'ont fait pénétrer vraiment dans la musique métal. Voilà. Donc il faut savoir que, bon, dans les, à la fin des années, pour tous ceux comme moi qui sont nés fin des années 60, début des années 70, eh ben, il y avait un peu plus de rock à la radio, c'était quelque chose d'un peu plus naturel. Et on en entendait beaucoup plus, ce qui fait qu'on était un peu plus exposé justement à une musique, alors pas forcément à du black metal hein, évidemment, mais en fait il y avait un peu plus de voix de groupes bien burnés qui passaient à la radio. Bon voilà, alors, bah, je le redis, hein, pas forcément des groupes de hard rock, hein, mais bon, des groupes comme Police, des groupes comme Blondie, Star Shooter, Téléphone, et ainsi de suite. Voilà. Et en fait, moi, ma première expérience avec le hard rock, c'est comme beaucoup de monde, eh ben, ça s'est fait via deux 45 tours. Alors, le premier, évidemment, c'est Antisocial de Trust. Hein. Bon, à l'époque, je ne savais pas que j'avais déjà sorti deux albums, mais évidemment, ça passait énormément à la radio et... c'était intrigant et c'est vrai que voilà, je m'étais acheté le 45 tours à l'époque. J'avais adoré évidemment, surtout le deuxième titre, Mister Comedy, parce que le prod d'un 45 tours, c'est vrai qu'on écoutait en boucle le titre de la première phase et puis il paraît que beaucoup de gens n'écoutaient pas les deuxième phases. Moi j'écoutais systématiquement les deuxième phases et j'avais bien aimé le titre, donc c'était Monsieur Comedy hein, qui parlait de l'Ayatollah Khomeini. Hein, voilà. Et je sais plus pourquoi, mais je m'étais fait prêter la cassette. Voilà, la cassette album donc de Répression. Et finalement, la personne qui l'a prêté, c'était un, comment s'appelle, quelqu'un que je connaissais sur Tomblen, qui me l'a laissé parce que c'est quelque chose qui l'intéressait plus. Voilà. Donc là, ça a été une première entrée dans le hard rock et dans le même temps, évidemment, Hell's Bells d'AC/DC. Hein, là, aujourd'hui, on est en 1980. Ça cartonne comme c'est pas permis. Tout le monde sur son sac US transforme le US en AC/DC ou en Trust, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc là aussi, je découvre cet album. Je découvre ce 45 tours donc à la radio. Je l'achète. Bon, quand je regarde d'ailleurs derrière, je vous montre un petit peu. Le nombre de concerts que AC/DC faisait en France, c'est absolument hallucinant. Il y a une quinzaine de dates. Hein, quand on voit que maintenant, voilà, c'est une date à Paris, puis c'est tout. Voilà, mais bon, on était il y a 44 ans d'arrière, hein, évidemment. Voilà. Et donc, je découvre voilà, ce groupe que je connaissais absolument pas, évidemment. Je savais même pas que le groupe avait fait des concerts avant. Je savais même pas que Brian Johnson, c'était le tout nouveau chanteur du groupe. Hein, et évidemment, donc voilà. Et là, on commence un petit peu à plonger dans le rock, on va dire dans le rock fort, hein, comme on dit. Mais bon, j'écoute toujours plein d'autres trucs à côté, beaucoup de choses qui passent en radio. Et je ne suis pas vraiment un métalleux, mais c'est vrai que voilà, ce disque-là, mine de rien, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a sans doute été une porte d'entrée donc, dans le métal. Voilà, donc beaucoup de choses. Bon, là, j'écoute des albums de Trust, je me fais prêter voilà, un ou deux albums de AC/DC, donc que j'enregistre sur cassette, hein, à l'époque, la cassette, notre meilleur ami. Et puis, en 82, ben, vous le savez peut-être, là, ça n'a rien à voir avec le métal, quoique, il y a la déferlante Michael Jackson avec l'album Thriller. Et comme tout le monde, voilà, moi, je n'ai pas honte de le dire, c'est un album que j'aime beaucoup. Et il y a notamment sur cet album, ben, le morceau Beat It, avec un solo de guitare que je trouve impressionnant. Et c'est quelqu'un au collège qui me dit, ah, mais le type qui a fait le solo de guitare, c'est un gars qui s'appelle, c'est un guitariste d'un groupe qui s'appelle Van Halen. Je dis, ah bon, et il me prête donc cet album que j'ai racheté donc plus tard, hein, voilà, je l'ai racheté d'ailleurs dans un vide-grenier, hein, au passage, voilà, donc le premier album de Van Halen, il me le prête à la maison, et là, quand je le pose sur la platine, bah, évidemment, là aussi, c'est un choc, hein, surtout avec le morceau Eruption, enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un jouer de la guitare comme ça, enfin, le truc absolument hallucinant,
c'est un énorme, voilà, c'est un énorme choc. Et là, petit à petit, je commence un petit peu vraiment à dériver vers cette musique. Là aussi, j'enregistre cet album sur cassette et je m'en fais prêter pareil quelques autres. Hein. Parce que la personne, voilà, c'est, je me rappelle plus son nom. Hein. Lui, il était pas mal, voilà, il était pas mal dans le hard FM, donc les groupes comme Foreigner et ainsi de suite. Voilà, et donc il découvre ça. Et là, c'est vrai que je commence vraiment à sentir une sorte d'attirance pour ce type de musique. Mais attendez, c'est pas fini. Alors, le truc rigolo, c'est que, donc là, on est en 82. Alors là, je vais découvrir un groupe, alors pas par la radio, mais par la pochette d'un groupe. Alors ce groupe, évidemment, vous l'avez deviné, c'est Iron Maiden. Hein. Et je découvre pas la pochette sous un disquaire, mais voilà, près de chez moi, à Tomblaine à l'époque, il y avait un bar tabac, et donc j'ai cherché mes petits magazines ou les disquaires pour mon père, et il y avait un type qui avait un pochetron, un pilier de comptoir qui était là, il avait toujours un t-shirt avec cette pochette dessus. Et là, j'avoue que ça m'intrigue. Parce que franchement, je me dis, waouh, c'est dingue, c'est impressionnant, hein, quand tu as 13-14 ans, il y a ce type de pochette. Et voilà, c'est un copain qui me dit, ah bah si, j'en parle et tout ça. Et donc, c'est un autre copain de collège qui me dit, ah bah si, ça, c'est un groupe qui s'appelle Iron Maiden, c'est du hard rock, j'ai un ou deux albums à la maison, je peux te les prêter si tu veux. Donc, il me les prête. Donc, il me prête donc Killers, hein, et il me prête également The Number of the Beast. Et là, là, franchement, là, de nouveau, c'est un choc, hein, c'est absolument hallucinant. Voilà, donc je me rends compte là aussi que c'est pas les mêmes chanteurs, mais que bon, le reste du groupe ne change pas beaucoup. Donc du coup, voilà, là, je deviens un dingue, absolument dingue d'Iron Maiden. J'achète The Number of the Beast, j'achète Killers en vinyle. Il y avait un magasin sur Nancy qui, alors c'était, je crois que ça s'appelait Booking Shop, un truc comme ça, enfin voilà, où ils vendaient également des vinyles d'occasion, et ils avaient un petit rayon hard rock, hein, et du coup, j'y retourne, et je vais compléter ma collection, si j'ose dire, hein, avec le premier album, Iron Maiden, hein, pareil, là aussi, absolument hallucinant, Phantom of the Opera, je trouve ça incroyable, hein, voilà. Je retrouve également quelques maxi 45 tours, hein, comme celui-là, Woman in Uniform, et puis donc le fameux Made in Japan, hein, la version 4 titres, hein, là c'est pareil, truc que j'adorais. Donc voilà, et là je deviens complètement dingue d'Iron Maiden. Hein, j'essaie de trouver tout ce qu'on peut écrire là-dessus. Du coup, je vais découvrir les magazines. Il y avait un Best où le Dick Dixon était dessus, et puis j'ai découvert Enfer Magazine, enfin voilà. Et là, vraiment, je plonge totalement dans le métal. C'est-à-dire que je laisse de côté tout ce que j'écoutais avant. Bon, j'écoutais pas mal les Pink Floyd, j'écoutais également des groupes comme les Beatles, des groupes que mes parents avaient. Et là, vraiment, je tombe totalement dans le métal. Mais, évidemment, ce n'est pas fini. Parce que là, on est il s'est passé 2 ans encore, donc 82, 83. En 84, eh bien, je vais chez un ami qui avait déménagé à Metz, hein, quelqu'un que j'avais un petit peu perdu de vue, hein, et que je retrouve, je ne sais plus comment, enfin voilà. Enfin, en tout cas, voilà, hein, début 84, je vais chez lui, donc je prends des trollers, hein, à l'époque. On peut facilement prendre le train pour aller d'une ville à l'autre. Je ne dis pas que ce n'est pas plus facile maintenant, mais disons, voilà, c'était un peu plus abordable. Voilà. Et lui, je découvre qu'en fait, c'est devenu un vrai métalleux. Quoi. Sa chambre, c'est hallucinant. Il y a des posters partout. Il a des tonnes de disques. Ses parents, ils ont des amis qui vont régulièrement en Allemagne et qui lui ramènent des trucs qu'on ne trouvait pas forcément en France. Et puis voilà, moi je lui joue à vous. Moi j'aime bien, je joue notamment, il a un gros poster d'Iron Maiden. Je dis, moi j'aime bien Maiden aussi. T'en as, bon voilà. Il dit oui, il avait des trucs que j'avais pas, quelques 45 tours, des choses de genre. Il me dit, attends, si t'aimes bien ça, je vais te faire écouter un truc, tu vas me dire ce que t'en penses, que moi je trouve ça vraiment bien, mais tout le monde n'apprécie pas. Voilà. Donc il me met le casque sous les oreilles, je me rappelle, c'est pour une super chaîne fille. Et puis bon voilà, je commence à écouter. Au départ, je me demande ce qui m'arrive dans les Esgourdes, hein, voilà, une sorte de riff d'intro complètement dingue, un slide à la guitare, la batterie qui commence à partir, un chant complètement possédé, et puis là, ça va très très vite. Mais purée, wow, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, donc, il me sort la pochette de l'album, et je me retrouve donc devant, évidemment,
Kill Em All, Kill Em All de Metallica. Alors là, là c'est vraiment, là c'est un choc. Hein, c'est un choc encore plus important que Van Halen et encore plus important que AC/DC ou que même que Maiden, parce que c'est surtout au niveau de la rapidité, de la violence du groupe. C'est là que ça me, c'est là que je trouve ça absolument incroyable. Et donc du coup, bon, bah, alors, évidemment. Première chose qu'on va faire, on va dans une supérette, on achète des cassettes vierges, je recopie l'album. Cet album-là, en vinyle, je l'achèterai quelques années plus tard, je l'achèterai pas tout de suite parce qu'il était pas si simple que ça à trouver. Hein, je crois que j'achèterai au moment de Master of Puppets. Hein, quand Master of Puppets sortira, voilà, il y avait un disquaire à Nancy qui en récupérera quelques versions, hein, je le prendrai à ce moment-là. Mais, et du coup, et il ne fait pas découvrir que ça, notamment, alors, il fait découvrir des groupes comme Accept, hein, avec Balls to the Walls, et puis surtout, alors là, c'est pareil. Le premier Mercyful Fate, enfin le premier album Mercyful Fate, hein, qu'il avait en vinyle, hein, donc Melissa. Là, pareil, c'est aussi c'est un univers complètement différent, donc de Metallica, de Maiden et compagnie. Hein, voilà. Et alors, il faut dire que, voilà, j'avais également, donc la personne qui portait le Maiden m'avait également fait découvrir des groupes comme Judas Priest, comme Scorpion, et ainsi de suite. Mais je trouvais ça bien, évidemment, mais il n'y a aucune comparaison avec cette espèce de gros choc, hein, voilà. Et donc c'est vrai que, bon, c'est vrai, j'ai 13 ans, bientôt 14, ben là je comprends que, voilà, je vais faire pas. Ça, c'est une musique qui va m'accompagner pendant très, 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 très longtemps, hein, extrêmement longtemps. Et je le redis, donc au début, bah, mes meilleurs alliés, bah, c'est les cassettes enregistrées, parce que bon, un vinyle, c'est quand même pas donné, hein, ça coûtait 50, 60, 70 francs, et ainsi de suite. Et ce qui est rigolo, c'est que durant donc à Metz, durant ce séjour à Metz, bon, voilà, je vais prendre un petit peu de sous pour les cassettes, il m'en reste un peu, et on va dans un magasin, et moi, je tombe sur ceci. Voilà. 45 tours de Venom, alors là j'achète uniquement pour la pochette, on écoute, je l'écoute même, on l'écoute pas de son, on rentre chez lui à la maison, on le met sur la platine, bon alors évidemment, alors lui il trouvait que c'était un peu foutraque, c'était un peu bordique, moi je trouve ça complètement dingue, hein, ce côté effectivement, je défonce tout, j'ai un son, il y a un son de guitare complètement dingue, l'imagerie, enfin voilà, c'est un truc de fou, hein, et ben voilà, donc je rentre chez moi, donc avec mes cassettes, ce 45 tours, et évidemment, cette idée que voilà, là maintenant c'est décidé, je suis devenu un hard rocker, hein, voilà. Donc durant l'année 84, donc d'ailleurs je me trouvais devant un dilemme, hein, bon, ça peut peut-être arriver, parce que vont sortir en même temps quasiment ces deux albums, donc Power Slave et Rise of Lightning. Je me rappelle encore, voilà, ils étaient au Hall du Livre, donc le Livre c'était un magasin qui vendait également des disques, hein, sur Nancy. Ils avaient un grand mur où ils exposaient les nouveautés, et donc il y avait les deux albums l'un à côté de l'autre. Donc Maiden, voilà, j'avais déjà les 4 premiers albums, plus des maxi, des choses de ce genre. Mais j'avais également Metallica, que j'avais beaucoup adoré le Kill Em All, enfin là j'avais poncé la cassette. Donc, et en plus à l'époque c'était bien, parce qu'il y avait des cabines où on pouvait écouter les disques. Hein, voilà. Et c'est vrai que j'ai réussi, je ne sais pas quel miracle, voilà, à trouver les sous pour acheter les deux. Hein, et j'ai jamais regretté. Power Slave, la pochette est quand même fabuleuse. Et puis Rise of Lightning, ce qui était dingue, c'était que l'album tranchait radicalement avec le premier. C'est-à-dire c'était toujours aussi violent, mais ils avaient rajouté pas mal de trucs, notamment la balade faite tout black. Voilà, et je me rends compte que oui, il n'y a pas que Scorpion qui sait faire des bonnes balades. Hein, Metallica en était capable aussi. Voilà, bon. Et puis... voilà, dans les moments-là, bah, c'est le premier concert. Le premier concert que j'ai eu, c'est pas un concert de hard rock, c'est Téléphone en 85, hein, ou 84, 85, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, c'est la tournée Un Autre Monde, en part d'exposition. Bon, pareil, très 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 bon concert. J'avais été voir Renault également, mais le premier vraiment gros concert que je vois de métal, c'est Accept, sur la tournée Russian Roulette, hein, début 86. Concert que j'ai beaucoup aimé. Bon, à l'époque, je commençais un peu là aussi à me laisser pousser les cheveux. Voilà. Et puis, c'est dans les moments-là que je rencontre Laurent. Donc, Laurent qui habitait à quelques dizaines de mètres de chez moi, Tomblaine. Alors, lui, c'était un. Pareil, c'était un dingue de métal, mais de tout c'était speed, trash et compagnie. Ses parents avaient des amis en Belgique qui lui ramenaient régulièrement des imports. Lui, il va me faire découvrir des groupes comme, par exemple, comme Elhammer ou Celtic Frost, Impaler. Impaler, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un groupe qui avait un look plutôt glam, mais qui faisait vraiment du speed trash bien, bien énervé. Il me fait découvrir Creator, Slayer. Alors, c'est-à-dire, je connaissais que Show No Mercy, pareil, je m'étais fait enregistrer. Et là, il fait Hellowed, ce que je considère comme, pour moi, c'est un des meilleurs albums de Slayer. Hein. Il est juste un tout petit cran en dessous de Rain In Blood, mais pour moi, c'est un album fabuleux. Hein. Fabuleux, voilà. Et...
Et voilà, et du coup, bah, quelques mois plus tard, on décide de former donc un solo ensemble. Christophe et Didier vont nous rejoindre, Bidou à la batterie. Enfin voilà, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein, mais c'est vrai que voilà, Laurent m'a fait découvrir énormément de groupes que je ne connaissais pas. Possessed également, ouais, donc Creator, enfin voilà, des tas de groupes. Hein, il avait une discographie assez impressionnante, vraiment, voilà. Et puis en 87, donc le dernier gros choc, hein, voilà, donc bon, je continue à suivre évidemment les sorties d'Iron Maiden, de Metallica, de Venom, bon, le Mercyful Fate, même si malheureusement, ils vont vite être remplacés par King Diamond. Et puis, je tombe un petit peu par hasard alors, sur un disque, toujours au lieu du livre, hein, voilà, une très belle pochette où on voit voilà, des squelettes rigolards en train de boire, on ne sait trop quoi, il y en a un qui est sur un trône et ainsi de suite. Et le groupe, évidemment, s'appelle Def, et cet album, c'est Scream Bloody Gore. Alors là, pareil, un choc comparable à l'écoute de Kill 'Em All, à l'écoute de Van Halen, à l'écoute de Killers et The Number of the Beast, parce que... là, on entre vraiment dans l'ultra-violence, dans des groupes qui sont complètement fous. Là, bon, j'étais déjà pas mal, je vous dis, fan de speed, de trash. Enfin, je cherchais toujours l'extrême, hein, quelque part. Mais là, ce qui était bien, c'est que l'album était extrêmement bien produit. Ils avaient un super son. Hein, Def a vraiment un super son. Et là-bas, c'est pareil. C'est un truc que j'ai vite récupéré en vinyle. Alors, malheureusement, j'ai plus le vinyle. Hein, je l'ai prêté à quelqu'un, on ne l'a jamais rendu. Donc, j'ai dû racheter le CD. Bon, avec deux titres en plus, hein. Et puis voilà, donc là on est en 1987, et il est évident que je ne fais plus que ça, je n'écoute plus que ça, tout le reste est parti aux orties, voilà, je suis devenu un vrai métalleux, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, voilà, les années 80, ça a été un peu ça, ça a été une découverte avec des, voilà, avec SCDC, avec Trust, avec peut-être avec Maiden, puis ensuite on monte d'un ton avec les Metallica, et puis après encore avec des Slayer, des Possessed, des Creator, et puis après, voilà, le truc ultime, Def, et ainsi de suite, voilà. Et puis bon, quelques années plus tard, les années 90, bah, ce sera plus le black metal, hein, qui va me faire de l'œil, hein, même si j'aurai un petit peu de mal à accrocher au début au style, hein, parce que pour moi le black metal c'était Venom, hein, c'était pas forcément une panne Beirut ou Mayhem par exemple, mais bon voilà, petit à petit je vais dire bah si, finalement c'est quand même pas si mal. Voilà pour cette vidéo, on va dire souvenir, hein, rétrospective. Donc bah pareil, bah, moi je serais curieux de savoir comment vous avez découvert le métal. N'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker, hein, voilà, mais n'hésitez vraiment pas à me dire voilà, est-ce que vous aussi vous avez un parcours similaire au mien, est-ce que vous avez démarré par des trucs on va dire finalement assez calmes et devenus très très cultes, ou alors est-ce que vous êtes entré directement par la porte du gros Def bourrin qui tâche, hein, voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Et puis on se retrouve donc, alors pas tout de suite parce que là je vais partir quelques jours au soleil, hein, mais voilà, je reprendrai les chroniques après début mars. Allez, salut!